Je connais rien de plus agréable que de sortir de son bain dans lequel on a mariné pendant une heure et d'avoir un stream, un shmup tout prêt à être streamé. Salut les amis! Oui, je suis en peignoir aujourd'hui. C'est extraordinaire et cette sensation sur mon corps est toute... Et je vais vous présenter un shmup qui est assez inédit et dont je peux affirmer clairement, haut et fort, qu'on ne reverra jamais de remaster aujourd'hui. Je suis prétentieux ? Pas tant que ça, j'ai calculé mon coût les amaches. Puisque ce jeu, il s'agit de Transformer. Alors Transformer, forcément, tout le monde se dit « un truc avec des robots ». Oui, un truc avec des robots. Ceci dit, il s'était fait à une époque où la licence était utilisée à tour de bras et qu'on n'était pas trop regardant sur ce que faisait le voisin. Alors donc, on va regarder ce que c'est que ce Transformer. Oui, ça se transforme. Alors, j'ai pris ma voix super grave XXL aujourd'hui parce que le moment est grave, c'est un scrolling horizontal et vous savez bien que j'ai une appréhension, moi, dans ces titres-là. Je me sens pas à l'aise. Et je pense que j'ai toutes les raisons de pas me sentir à l'aise. Est-ce que je pourrais descendre ma voix encore plus bas? Non. Bon, allez. Il faut bien que quelqu'un se dévoue et apparemment, je regarde autour de moi, il n'y a personne. Non, personne. L'écho résonne, et cette... On y va. Mon ressenti, j'aimerais ne pas être là, être encore dans le bain en fait. J'étais très bien. D'ailleurs, faudrait que je récupère le sèche-cheveux pour vous jouer une petite partition. Damned. Donc chaque fois que je vais dire une méchanceté, je vais me prendre un truc sur la gueule. Je crois avoir compris le gameplay. Alors fallait que j'essaye, c'est comme les gosses. Je sais pas trop quel tir est adapté à quoi. Je pense que le minot lambda doit comprendre au bout de partie. Ouais, il m'en faudra un petit peu plus, je pense. Parce que là, je suis clairement en train de finir de rebooter. Oh, ça, ce n'était pas très gentil. Bon, moi, le petit tir, il me va bien, hein. Comment ça, Game Over? Non, on y retourne, il est trop bien ce jeu. Ah, c'était pas loin de faire un high score en plus. Alors certains malins vont dire, Monsieur K, pourquoi tu caches ton enthousiasme? Bah, 1986 les gars. Alors je sais pas si vous avez suivi les streams, mais il y a d'autres jeux qui sont sortis entre temps, et heureusement d'ailleurs. Et il se trouve que ces jeux se sont révélés vachement bien, en comparé de ça. Le prog, le dev, faut qu'on discute. Oui, non mais je l'ai totalement, clairement saisi ton script à deux balles là, qui est juste un truc de connard. Soyons très clairs, utilisons le vocabulaire adapté. Tu m'as pris pour un jambon, mec. Non mais je te le dis. Je me transforme pour la peine, tiens. Je dois avoir un méga tir, je pense. C'est plus que probable. Oh, le petit fumier. Je vais rester comme ça. Non, je vais rester comme ça. Le problème de Transformer, c'est que tu sais jamais en quoi te transformer, en fait. Donc, t'as une vague idée, mais tu sais que... Hop, mais ça va pas. Tranquille, les gars. Ouais, ami dev, faut vraiment qu'on discute. T'étais un poil en panne d'idées, je crois, le jour où t'as programmé ça, quoi. T'avais récupéré un numéro des logiciels, et tu t'es dit, je vais repomper ce passage-là de ce titre, je vais repomper ce passage-là de celui-là. J'ai Christopher qui a un Atari ST, il va me faire les graphismes sous Deluxe Paint, et on va faire un jeu génial. S'appellera Transformer parce que ça personne n'a jamais fait, ce sera un robot qui se transforme et ça personne n'a jamais fait non plus, et je vais avoir le succès interplanétaire mérité puisque mon jeu est totalement merdique et on va vite aller le ranger au grenier. Je pense que j'ai pas regardé sur le compteur mais j'ai fait mes 5 minutes légales.
4h56, 4h57, le temps de rentrer mon nom tranquille, et nous sommes à 5 minutes, ce qui me permettra d'esquiver une nouvelle partie sur ce titre dont tout le monde se passera et que tout le monde a oublié de toute manière. Je vous laisse avec les deux streams habituels qui sont fortement pourvus en daubes de ce genre, mais également en petites merveilles. Donc n'hésitez pas à regarder la playlist généraliste ici, Schwing, et la playlist des shmups là, Schploff. Abonnez-vous en attendant, ça peut être pas mal pour pas rater le stream de 19h. Ciao.